va revenir vers toi. C'est pas qu'on on te moi je n'aime pas les histoires inutiles. Tu fais des palabres inutiles. Tu es artiste, tu dois être aimé par BTO. Justement, Patricia, c'est ça première fois. Hein. Ça, c'est clair. Tu dois être aimé partout, partout dans la Côte d'Ivoire. Pour que tu aies dit que tu dors et tu pleures là. Nya. Je lui parle. Je lui parle. Non, non, elle ne va pas écouter ici là. Le débat, c'est elle est sur son live. Hein. Elle est là, elle est là, elle est là. Calme-toi, elle est là. Non, non, tu n'es pas là. Si, calme-toi, elle est là. Il faut faire tout pour libérer ton cœur. Pour que tous ceux qui sont partis de chez toi, là, ils vont revenir, pour que tu aies ton disque d'or. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Afou, laisse les palabres. Va vers Aïcha, connaît c'est ta maman, c'est ta tante. Ne mets pas politique dans ta carrière, ça va te briser. Tu as commencé petit. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. L'idée, ça, là, il faut enlever ça. Tu es pour toute la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas pour Alassane Ouattara, tu as fait, il est devenu président. Tu n'es plus pour lui seul. Tu es pour tout le monde. Est-ce que si tu fais ton morceau que c'est les Doula seulement qui écoutent là, tu vas avoir dit que tu dors là quand? Il y a quoi que c'est nous tous on doit écouter, non? Ma chérie. Pardon, laisse parler. Je t'aime. Laisse parler. Faut parler avec Bigini. Faut parler à Aïcha Kone. Parle avec ce que tu dois parler. Mais on t'aime. On va te mettre en haut. Laisse parler. Okay. Merci. C'est ce que je voulais dire. Aïcha. On va donner la parole à César. Kadi Jolie, tu vas prendre maintenant. Ben on va laisser à Thierry. Oui, il faut donner à l'autre là-bas parler. Ok, c'est Thierry, vas-y. Ok. En fait, j'aimerais rebondir sur l'affaire de Afou et puis Aïcha Kone, qui est le sujet. Attends, Thierry, avant de commencer, déjà le sujet, ce n'est pas Aïcha Kone. Le sujet, c'est hier soir, Yaka est en live, il demande aux femmes du business de se dissocier de Maman Aïcha Kone et Madame et Mariam Traoré aussi de se dissocier de Aïcha Kone parce que Aïcha Kone n'aime pas le président, papa Ado. Je dis que ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas à lui de faire ça. Pendant qu'il est en train de prendre la paix entre Bigini et Mariamba, il n'a pas à dire qu'il faut parler avec cela, il ne faut pas parler avec ça. Non, ce n'est pas son rôle. Il n'a qu'à continuer dans son lancer de demander pardon pour que les deux femmes s'entendent. Mais pourquoi il va dire aux femmes de se dissocier de Maman Aïcha Kone? Donc c'est ça le débat. Laissez le nom d'Afrique, s'il vous plaît. Donc ce qui veut dire que le sujet est basé sur Yaka Yaka. Ce n'est pas basé sur lui, c'est basé sur cette critique. C'est pas basé. C'est basé. Non, mais... le débat, c'est lui qui demande aux femmes d'Afrique de se dissocier de Maman Aïcha Kone. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui veut dire que c'est Yaka Yaka qui est à la base, ou bien. C'est ça. Exactement. Oui, c'est propos. Et à la base, c'est lui. Ouais. Donc, on dit que voilà. Okay. Donc ce qu'on doit faire, c'est à Yaka Yaka, on doit s'apprendre, on ne doit pas s'apprendre aux deux. Non, non. Puisque le sujet n'est pas. Il faut donner ton avis. On n'a pas besoin de s'en prendre à lui. Attends, Thierry, toi, t'es quelqu'un. On dirait, toi, t'es quand de l'autre côté. Hein. Qui ça, moi? Non, non, je ne parle pas de toi, Kadi, je ne parle pas de Thierry. De toute façon, il fait. Moi, je n'ai pas les deux femmes, la moitié de l'autre. Toi, tu es quand de l'autre côté, tu veux défendre. Non, mais il faut donner le sujet. Non, pas pour défendre. En fait, le sujet, il vient d'arriver là. Il ne sait pas le sujet. Pas les fans de Bigini montent, vous allez donner votre avis. Tapoter les larmes. En tout cas, Yaka dit les fans de Bigini, les Biginiciens, les athées gris-gris, ils n'ont qu'à laisser Maman Aïcha, la Maman nationale. On n'a qu'à la laisser parce que d'après lui, elle n'aime pas le président. Comme c'est lui qui est assis là-bas, c'est lui qui voit les relations d'Aïcha et le président parce qu'elle vient parler de choses, il pense qu'elle n'aime pas le président. C'est dans ça qu'on aime, mon frère. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce qu'il aimerait dire à Yaka, qu'il se calme. Normalement, c'est un gars des réseaux sociaux et puis c'est un influenceur, comme on le dit. Donc lui, il n'a pas à avoir un parti pris. Voilà, il n'a pas à avoir un parti pris. Qu'il essaie de les réunir que de les diviser. C'est mieux. Mais ça, tu vois, Kadi dit il ne faut pas m'en parler, mais Kadi, moi, il te dit, moi, souvent, il passe fion dans les lives de Yaka. Yaka, là, la musique qu'il joue, là, la dernière fois, il faisait la promotion de Mariamba.
c'est un élément. Non, tout le monde sait que Yaka Yaka c'est Mariam Bass. Ça, tu veux dire. Voilà, donc tu sais, voilà, c'est un élément de Afou aussi qu'elle a. Il met sa musique. Donc le gars là même, là, en tout point même là, il fait pas sentiment. Mais Alain, tu sais que Yaka n'a pas caché. Depuis Yaka est sur les réseaux sociaux, depuis Facebook, Yaka son affaire de Afou Keita. C'est à cause de Yaka même que d'autres personnes ont commencé à écouter beaucoup la chanson de Afou Keita. Il n'a pas caché. C'est pas parce que tout ça se passe qu'il est derrière. Lui, il est Afou Keita. On voit même que Aïcha Poné va revenir sur la suffrage dans ce temps dans les réseaux sociaux. Voilà. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Je n'ai pas associé à Aïcha Kouni, ça c'est pas ton droit, c'est pas ton rôle. Voilà, c'est que Kadi. C'est ça le débat. Tapoté. Kadi, on ne voit pas la photo, hein. La photo du live, c'est en veille. Bonjour, monsieur, bonjour. Madame. Oui, non, c'est Thierry qui avait la parole. Thierry, parle d'abord. Ok. Voilà, donc c'est ce qu'il disait là. Il n'y a qu'à qui l'arrête ça. Alex, c'est bon maintenant, la photo est bon. Sa manière de faire. On voit pas. Hein. En tout cas, moi, je vois pas. Je sais pas si les autres personnes voient. On voit une tasse de vous café. Vous voyez la photo là? Moi, c'est une tasse de café. Toi, tu t'es mis en veille, Kat. Tu t'es mis en veille, en fait. Mais non, pas du tout. Vous ne voyez pas. Non. Et là, maintenant, c'est comme... Allô? C'est toujours pareil, Kadi. Donc, moi, je ne m'explique pas. Moi, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, on va renchérir quand même. De mettre une photo et on verra. Essaye de mettre une nouvelle photo. Ok, ça, c'est bon. Vous voyez la photo? Vous voyez pas? Rien ne s'affiche. Bon, c'est pas grave, on n'a pas parlé. Voilà, c'est le plus important. Voilà, donc c'est ce qu'il disait là. Yaka, qu'ils comprennent la maman Aïcha Kouni. La politique là, c'est pas la guerre. La politique, chacun fait. Chacun peut avoir son parti pris, que ce soit Maman Aïcha Kouni, que ce soit d'autres personnes. Normalement, Yaka, il ne doit pas se fâcher pour ça. Il ne doit pas se fâcher et puis il va commencer à avoir des autres idées, des idées nocturnes envers la vie de la pauvre dame. La politique, là, on ne force pas quelqu'un de s'intégrer dans un autre parti. Non, donc il y a qu'à là, il y a qu'à se réserver, et puis c'est tout, c'est là, c'est une diva, c'est la mafia, ça c'est mafia. Donc normalement là, lui là, il n'est rien devant la vieille, il doit se calmer devant la vieille. Afou Keita là, elle là, c'est la petite de maman Aïcha Kouni. Donc normalement là, même si la vieille a déraillé, il doit même pas mettre la faute sur la vieille. Tu peux pas dire la vieille a déraillé. Elle peut pas dérailler, mon frère. Non. Tu sais, même si c'est... Non, une vieille peut dérailler, mais il y a une manière de parler, d'accord? Une vieille peut dérailler, tout le monde peut dérailler. Mais il y a une manière de parler.